Le soir, les fantômes sont tous là, ils s'agitent. Ils ont faim. Je voudrais me présenter à vous. Je suis Watson Pritchard. Dans quelques minutes, je vous montrerai la seule maison hantée qui soit au monde. Elle date d'à peu près un siècle, et durant ce temps, 7 personnes, y compris mon frère, y moururent assassinées. Et aujourd'hui, c'est moi qui en héritais. J'y ai passé une seule nuit, et lorsqu'on me trouva au matin, j'étais à moitié mort. Je suis Frédéric Lorraine. Et j'ai loué la maison de la colline hantée afin que ma femme donne une petite fête. Une sorte de fantôme party. Elle est si amusante. On boira, mangera et il y aura des fantômes. Et peut-être même quelques meurtres. Vous êtes tous invités. Si l'un de vous veut passer les 12 prochaines heures sous ce toit, je lui ferai cadeau de $10,000. Ou à ses héritiers au cas où il y perdrait la vie. Ah, mais justement, voici nos hôtes. C'est ma femme qui a eu l'idée de les faire venir dans des voitures de pompe funèbre. Elle est si amusante. Elle a un sens de l'humour, disons, particulier. Mais c'est moi qui ai pensé au corbillard. Il est vide pour le moment, mais après une nuit dans la maison de la colline hantée, qui sait? Voici Charles Schrader. Un pilote d'essai, donc par définition un homme courageux. Mais ne croyez-vous pas que l'appât du gain rend encore plus brave? Et je sais que Charles a grand besoin des $10,000 que je lui remettrai s'il a le cran de rester toute la nuit. Et voici Ruth Bridges. Vous avez sans doute lu ses chroniques dans la presse. Elle prétend qu'elle vient uniquement pour écrire un article sur les fantômes. Elle aussi a un besoin impérieux d'argent. Elle joue. Vous connaissez déjà Watson Pritchard. Cette maison lui inspire une terreur panique et pourtant il risque sa vie pour y passer encore une nuit. Je me demande pourquoi. Lui affirme que c'est pour l'argent. Je vous présente le docteur David Trent, un psychiatre. Il déclare que mes fantômes l'aideront dans ses recherches sur l'hystérie. Ne voyez-vous pas cependant un petit signe de cupidité se dessiner au coin de ses lèvres et dans ses yeux? Voici Nora Manning. Je l'ai choisie parmi les milliers de personnes qui travaillent pour moi parce qu'elle a plus besoin d'argent que quiconque. Elle fait vivre toute sa famille. Elle est jolie, n'est-ce pas? Et maintenant, la soirée va commencer. Vous avez jusqu'à minuit pour trouver le chemin de la maison de la colline hantée. Thank you.
Eh bien, il n'y a donc personne? C'est assez bizarre, cette façon de recevoir les gens. Il n'y a que les fantômes qui se réjouissent de notre arrivée. Est-ce vrai qu'aucun de nous ne se connaît? Vous ne vous connaissez pas, vous deux? J'avoue que j'ignore jusqu'à votre nom. Je suis Nora Menning. Charles Schroeder. Est-ce que Frédéric Lorraine est de vos relations? On m'en a parlé, madame, mais je ne l'ai jamais vu. Je travaille dans un de ses bureaux, mais je ne l'ai jamais rencontré. Nous n'avons pas eu le moindre contact, juste un coup de fil. Est-ce que vous le connaissez? Non. En somme, vous êtes le seul qui l'ayez vu. Je ne le connais pas. En ce qui concerne la maison, ça s'est réglé par un simple message. Il a de la fortune, j'ai entendu dire... Des milliards. Et 5 femmes, d'après ce que... 4, jusqu'à nouvel ordre. Une soirée de 50 000 $ pour 5 personnes, c'est lourd, même pour un milliardaire. Eh bien, s'il a cherché à nous terrifier, il a bien choisi sa maison, rendons-lui justice. Qui a fermé? Tout le panneau est en acier. Annabelle, nos invités sont là, et par bonheur, ils sont encore en vie. As-tu fini ta toilette? Tout est sale, et les robinets ne laissent passer qu'un filet. Tu aurais dû veiller à ce qu'on nettoie. L'atmosphère, chérie, tu sais que les fantômes se complaisent dans la poussière. Cet ensemble est fort saillant, mais il n'est guère indiqué pour une soirée. J'ai décidé de ne pas descendre. Cette petite fantôme partie, c'est ton idée, ne l'oublie pas. Étant donné qu'elle me coûtera 50 000 $, je veux que tu t'amuses. Elle est bien de moi, mais j'y ai renoncé quand tu as invité tous ces gens. Pourquoi ces inconnus et pas un de nos amis? Des amis? Comme si nous avions des amis. Non, ta jalousie se charge de les écarter. J'avais des raisons pour inviter chacun d'entre eux. Je voulais les étudier un à un. Du psychiatre à la sténotypiste. Et de l'ivrogne au jeune pilote. Et tous sont dans une situation précaire. Voyons s'ils sont assez braves pour gagner leur argent. Et tu oses dire qu'on s'amusera? Sûrement. Pourquoi cette manie de secouer les bouteilles de champagne? Pour qu'elles explosent. Ça n'arrive jamais. En es-tu si sûr? Ça n'a rien d'amusant, Frédéric. Beau titre pour un journal. Un milliardaire tue sa femme avec un bouchon de champagne. En veux-tu un peu? Non, merci. Une gorgée pour te remettre de bonne humeur. Mon humeur est parfaite. Ne crains rien. Je ne l'ai pas empoisonné. C'est une bonne chose à savoir. Je t'en donne. Tu ne t'en amuseras que mieux. Allons. Ta vanité est touchante. Je n'irai pas à ta réception. De toutes les femmes que j'ai eues, tu es la seule qui se rebelle. Mais je suis en vie. Me quitterais-tu pour 1 000 000 $ net d'impôts? Tu voudrais tout, n'est-ce pas? Je crois que j'y ai droit. Ta jalousie n'est pas nette d'impôts. Ton instinct tyrannique est monstrueux. Si jamais un homme a eu des raisons de divorcer... Tu manques de preuves. J'attends mon heure. Un jour, tu feras peut-être une erreur. Tu crois? Oui, si je vis assez longtemps. Tu te rappelles comme on a ri quand tu m'as empoisonné? Le médecin a cru que c'était les huîtres. Oui, alors que c'était de l'arsenic. Annabelle, tu essaierais encore si tu étais sûre de ne pas te faire arrêter. Qu'est-ce qui te fait penser cela, chérie? Une simple impression. Je tiens à te dire que la pendaison est désagréable au cas où tu aurais de nouvelles idées. Et ne te laisse pas troubler par les fantômes et les revenants.
Chérie, ici, le seul être dangereux, c'est toi. Et ne passe pas la nuit à chercher un moyen de me supprimer. Il paraît que ça donne des rides. C'est avec ça qu'elle a tué mon frère et sa propre sœur. Elle les coupa en morceaux. On trouva des débris dans toute la maison. Et bien cachés, voyez-le. Le plus curieux, c'est qu'on ne retrouva jamais les têtes. Les orteils, les mains et le reste, oui. Mais les têtes, non. Il est fort probable qu'elle a menacé son mari avec ce couteau-là, et qu'emportée par l'hystérie, elle a frappé et poursuivi sa triste besogne. Je retiens l'expression, mais combien de personnes a-t-elle tué, M. Pritchard? Rien que deux. Oui, son mari et sa sœur. Ils vivaient seuls ici. Il y a donc deux têtes détachées qui se baladent quelque part. La nuit, on peut les entendre. Elles se murmurent des choses. Et elles pleurent. Notre hôte étant invisible, quelqu'un pourrait-il me faire un cocktail? Volontiers. Qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir à tous. Je suis votre hôte, Frédéric Lorraine. Comme personne ne se connaît ici, il serait sage de rompre la glace verre en main. Monsieur Lorraine, je vous conseille d'annuler cette réception tout de suite. Les fantômes sont déjà en mouvement et c'est mauvais signe. Je vous demande d'excuser ma femme. Elle va nous rejoindre dans un instant. Que voulez-vous? Un scotch. Docteur, c'est une idée. Et à présent, avant de commencer, entrons dans les détails. Le régisseur partira à minuit. Nous serons sous clé jusqu'à ce qu'il revienne dans la matinée. La porte refermée à clé, nul ne pourra sortir. Les fenêtres sont munies de barreaux dont une prison serait fière. La seule porte de sortie défierait tous les chalumeaux. Il n'y a ni électricité, ni téléphone, ni âme qui vive à la ronde. Donc, aucune aide possible. C'est un tombeau. Donc, si par hasard quelqu'un décide de ne pas rester, faites-le-moi savoir avant minuit. Dans ce cas, naturellement, je ne pourrai pas verser l'argent. Qu'est-ce qui vous a incité à organiser cette soirée? Est-ce le goût de la bonne compagnie? Non, ce sont les fantômes. Chacun aimerait savoir de quelle façon il réagirait devant des fantômes. Eh bien, ma femme nous offre l'occasion rêvée d'en faire l'expérience. Amusant. Tout ceci n'étant, comme on le sait, qu'une création de l'hystérie, votre soirée devrait être un succès. Eh bien, Pritchard nous a promis le concours d'authentiques fantômes. 7 maintenant. Et peut-être même plus avant le matin. C'est réconfortant. 4 hommes ont été assassinés sous ce toit. Et 3 femmes. Vous avez tout très bien combiné, Monsieur Lorraine. Nous sommes 4 hommes et 3 femmes. 1 fantôme par invité. Eh bien, Pritchard, vous devriez nous faire visiter les lieux et nous verrions ce qui se passe. Regardez cette tache. C'est du sang. Une jeune fille a été tuée ici même. Et ce n'est pas un être humain qui l'a frappée. Ne restez pas là. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Il est trop tard, ils vous ont choisi. C'est ridicule, le toit fuit et voilà tout. Oui, c'est probablement cela. Quel fantôme pourrais-je inspirer? Le spectre d'un homme qui ne manquerait pas de goût. Je souhaite qu'il ne revienne pas. Oh, Monsieur Pritchard, vous êtes l'âme de cette petite fête. Oh, il fera mieux tout à l'heure. Mais n'y a-t-il pas eu un homme qui jeta sa femme dans une barrique? Ça s'est passé dans la cave. Chaque pièce de cette maison a, pour ainsi dire, connu un crime. Ceci appartenait à un certain Norton. Il n'est pas mort ici, il a fini sur la chaise électrique. Monsieur Norton se livrait à des expériences sur les vins. Mais sa femme n'était pas d'accord avec lui. Alors il remplit la cuve d'acide et la jeta dedans.
Il pensait que le corps resterait au fond, mais les eaux remontèrent à la surface. C'est assez curieux, mais les crimes commis ici sont tous sortis de l'ordinaire, de la routine, de la normale. Tous ont eu un côté féroce, violent et différent. Attention ! Dieu merci, il n'est pas tombé. La cuve contient encore de l'acide ? Détruit tous les cheveux ainsi que la peau. Seules les eaux demeurent. Mon Dieu, que c'est sec et poussiéreux ici. Eh bien, il y a un remède souverain là-haut. Venez. Mais comment avez-vous été invité? Non. Laissons-les aller. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Monsieur Lorraine a dit que tout le monde recevrait 10 000 dollars. Mais a-t-il dit qu'on serait enfermé toute la nuit? Non. Nous en avons discuté longuement au téléphone, mais il ne m'a pas dit qu'il faudrait rester. Vous comptez vous en aller? Je n'ai aucune envie de perdre 10 000 dollars. Je vais rester aussi. Songez, 10 000 dollars. Oui. Vous croyez aux fantômes? Je n'en sais rien. Moi, je suis d'accord avec le docteur. On arrive à s'en douter. J'ai connu ça en avion. J'ai vu des choses irréelles, ou bien réelles. Que ferez-vous de vos 10 000 dollars si nous les touchons? Qu'entendez-vous par si nous les touchons? Ils ne les verseront pas si nous restons? Ah, si, sûrement. 10 000 dollars pour lui, c'est moins qu'un sou pour nous. Nous avons eu un terrible accident. Et je suis la seule de la famille qui puisse gagner sa vie. Fichtre, je n'ai jamais vu autant de portes. Un placard. Des bouteilles. Charles, où est-ce que ça mène? Il va falloir l'enfoncer, les fermer à clé. À clé. Charles.
n'avez rien? Les dollars me guériront. Je me suis sûrement cogné la tête. La seule façon dont on puisse se cogner ici, c'est de se jeter la tête contre le mur. Or, ça n'est pas votre cas. Je vais vous faire un pansement. J'aimerais savoir pourquoi ils ne l'ont pas tué. Qui? Il ne s'est pas cogné la tête. Ils l'ont frappé. Qui? Nora, vous avez parlé d'un fantôme tout à l'heure. Oui, j'ai vu quelque chose. Voulez-vous nous le décrire? Eh bien, il portait une sorte de manteau noir qui descendait jusqu'aux pieds. N'étiez-vous pas un peu nerveuse alors? Oh, mon Dieu, oui. Ça, Monsieur Lorraine, c'est de l'hystérie. Mais voyons, docteur, comment expliquez-vous la plaie de Charles? Par l'hystérie aussi? Vous pourrez ôter cela dans un jour ou deux. Merci. Attendez-moi dans le hall. Je sens que les fantômes approchent, monsieur. Vous croyez vraiment aux spectres et aux fantômes, Richard? Vous y croirez aussi avant la fin de la nuit. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Je ne dirai pas non. Un scotch. Monsieur Lorraine, est-ce que vous comptez payer ceux qui resteront ici? Bien sûr. Ils auront leur argent. Le paiement sera rapide ou très lent? C'est si urgent? À vrai dire, oui. C'est plus qu'urgent. Prenez ça, ma chère. Une chose est certaine, quelqu'un se trouvait là quand je suis entré. Mais où? Et si la porte était fermée à clé, comment est-il sorti? C'est peut-être un fantôme que vous avez vu, mais ce n'en était pas un qui était là. Je n'en sais rien, j'étais terrorisée. Le son est différent, n'est-ce pas? Oui. Un, deux, trois, quatre. Quatre pas. Un, deux. Je frapperai de l'autre côté et vous frapperai sur ce mur. Tapez plus bas. D'où venait-il? Il venait de là. Mais enfin, s'il était passé par là, je l'aurais vu. Charles, il ne marche pas, il flotte. Oui, possible, mais pourquoi ne l'ai-je pas vu? Alors vous ne me croyez pas. Difficile. Thank you.
Je suis Annabelle Lorraine. Vous êtes Mademoiselle Manning. Je sais que cette réception est inattendue et même, dirons-nous, assez morose. Voulez-vous vous reposer un instant? Voici votre chambre. Elle est triste, n'est-ce pas? Je crois que je ne vais pas m'y attarder. Il va pleuvoir. Parfaite atmosphère pour la soirée de mon mari. Pourquoi êtes-vous venue? Il a dit qu'il me donnerait 10 000 $. Pourquoi vous a-t-il choisi? Je ne sais pas. J'ai appris par une note au bureau qu'on m'avait invitée. Depuis quand connaissez-vous mon mari? Uniquement depuis ce soir. Alors? Pourquoi vous? Mais que faisiez-vous à rôder par ici, toute seule? Je me trouvais dans la cave avec Charles, Monsieur Schroeder. Et je suis montée, c'est tout. C'est de l'inconscience. N'y retournez pas, ne vous promenez plus jamais seule dans cette maison. Je vous laisse vous remaquiller, je passe vous chercher dans une minute. Mais je... Vous êtes en danger, comme nous tous. Mais qui nous menace? Je souhaite pour vous de ne jamais le découvrir. Je suis Annabelle Lorraine. Vous cherchez quelque chose? Pas tout à fait. C'est vous le docteur? Non, je suis Charles Schroeder. Le pilote? Vous vous êtes blessé? Oh, ce n'est qu'une bosse au front. Quelle est ma chambre? Je pense que c'est celle-ci. Merci, Madame Lorraine. Annabelle, Charles. Vous étiez à la cave avec cette jeune fille. Pourquoi est-elle affolée? Comment cela? Vous n'êtes guère le genre d'homme à aller se faire une bosse à la tête. Voyons, que s'est-il passé, Charles? Eh bien, Nora a cru voir un fantôme, mais je n'ai rien vu du tout. Elle a eu peur, c'est tout. Et elle m'en a voulu parce que je me suis moqué d'elle. Il n'y a pas lieu de plaisanter sur ce qui se passe ici ce soir. Hein, vous voulez me dire que vous prenez tout ça au sérieux? Et vous? Eh bien, j'aimerais découvrir qui m'a frappé. Charles. Si j'ai besoin d'aide, puis-je compter sur vous? Oh, bien sûr, je crois que oui. Mais que se passe-t-il ici, en tout cas, je veux dire? Pourquoi donner cette soirée? Ce n'est qu'un prétexte, il poursuit un but. Qui, votre mari? Oui, mais j'aimerais savoir. Il faut vraiment avoir une raison sérieuse pour risquer 50 000 $. Ça ne veut rien dire pour lui, l'argent. Il a eu une raison précise en nous réunissant tous dans cette maison sinistre. Laquelle? Il ne nous connaît même pas. Mais peut-être est-ce que c'est pour cela. Très bien, mais à quoi cela le mène-t-il? Il est de ces hommes qui pensent qu'une très grosse fortune justifie tout. Vous savez que je suis sa 4e femme. Sa première a disparu. Les 2 autres sont mortes. Charles, je ne veux pas les rejoindre. Vous pensez qu'il... Oh, son docteur a dit qu'elles avaient eu une crise cardiaque. À leur âge. Elles avaient 20 ans. Mais en ce qui vous concerne... Frédéric fait quelquefois de véritables crises de jalousie et plus rien ne compte pour lui. Je vous en prie, soyez prudent. Vous craignez que... Il finira par me tuer. Il a manqué quelque chose de drôle. Nora Manning a failli être tuée par la chute du lustre et le pilote s'est blessé à la tête. S'est-il fait très mal? Notre docteur aliéniste lui a fait un joli pansement. Tu ne veux pas aller le consoler? Tu es tellement doué pour ça. À ta manière. Tu es très fort, Frédéric. Vois-tu, la nuit, je passe des heures à me demander pourquoi je t'ai épousée.
Ce fut une erreur, à mon sens. Tu ne m'as pas épousé, c'est l'inverse. Si regrettable que ce soit, ce n'est pas une erreur. Dépêche-toi. Frédéric, pour la dernière fois, je n'irai pas à ta soirée. Bonsoir. Et pour la dernière fois, ce n'est pas ma soirée, mais la tienne. Et tu y assisteras. Je n'irai pas. Tu entends? Presse-toi. Non. Tu te dépêches? Oui, sale brute. Resterais-tu avec moi si j'étais pauvre? Ah non. Ton rêve, en fait, c'est d'être une jolie veuve. Il est presque temps de fermer la maison. Ta réception va vraiment commencer. Mais comment finira-t-elle? Minuit approche, Charles. Entendu. Je vous rejoins bientôt. Qui est-ce? Votre hôte, ma chère. Il est presque minuit, Nora. Nous allons tous nous réunir en bas au salon. Très bien, Monsieur Lorraine. Je descends tout de suite. Suivez-nous. Suivez-nous avant qu'il vous tue. Où est Nora? Mademoiselle Manning. Je ne peux pas rester ici. Nora, que s'est-il passé? C'est Jonas Lyle et sa femme. Le mari a toujours été régisseur ici. Elle a perdu la vue. Jamais je ne resterai ici. Eh bien, docteur, on dirait qu'il s'agit d'une crise d'hystérie caractérisée. Elle est sous le coup d'une émotion. Ça n'a rien d'une crise. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma chère. Voici ma femme et voici nos invités. Red Bridges, le docteur Trent, tu connais Watson Pritchard, évidemment, Nora Manning et pour finir, Charles Schroeder. Je veux sortir d'ici. Mais voyons les 10 000 dollars. Ça m'est égal, je sais qu'il veut me tuer. Mais qui veut vous tuer? Monsieur Lorraine. Voulez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Chacun de vous se rappelle les conditions offertes aux braves qui passeront toute la nuit ici. 10 000 dollars à chaque personne. Au cas où l'un de vous y perdrait la vie, le total serait naturellement divisé entre les survivants. Si je mourais... vous seriez payé par mon notaire. Quand le régisseur aura fermé la porte à clé de l'extérieur, nous serons tous obligés de rester jusqu'au matin. Mais si l'un de vous décide de ne pas rester, qu'il s'en aille maintenant avec le régisseur. Car plus tard, je crains qu'il n'en soit plus question. Sortir d'ici nous serait impossible. Je ne veux pas rester. Attendez. Thank you.
Chut, il n'est pas encore minuit. Qui lui a dit de s'en aller? Il ne part jamais avant minuit. Ah, tant pis, il n'est plus là. J'allais vous interroger pour savoir si vous vouliez rester ou non, mais il semble que le régisseur ait pris la décision pour vous. Maintenant, nous sommes tous sous clé. Mais je ne veux pas rester. Navré, ma chère, malheureusement, il est trop tard. Chérie, tu n'en as pas assez de ce jeu grotesque. Fais demander des voitures pour ces gens et qu'on les ramène en ville. Mais n'oublie pas de les payer. C'est ta réception. N'oublie pas. En dépit de ma femme qui m'estime en mesure de réaliser l'impossible, il va falloir que nous restions tous ici jusqu'à 8 heures demain matin. Mais vous trouverez ce qu'il faudra pour vous distraire dans ces cercueils miniatures. C'est ma femme qui a eu cette idée, et j'avoue qu'elle me paraît un peu dangereuse. Je suppose que vous savez tous vous servir de ces engins, mais au cas où vous ne sauriez pas, vous abaissez juste ce levier avec votre pouce et vous pressez la détente. Vous voyez, ils sont chargés. Ces choses-là, ça ne sert à rien contre les morts. Docteur? Charles? Nora? Allez-y, prenez-le. Mademoiselle Bridges? Et voici le tien, chérie. Qu'est-ce que j'en ferai? L'idée vient de toi. Il se peut que tu veuilles t'en servir contre moi avant que la nuit soit achevée. Jetez ces revolvers, ils ne sont d'aucune utilité. Je suis d'accord avec Pritchard sur ce point, quoique pour des raisons différentes. Docteur Tren, êtes-vous opposé à cette amusante formule? Supposez que Nora ait eu une arme quand elle a pris la vieille aveugle pour un fantôme. Je suis certaine que personne d'autre n'a envie d'aller rôder dans l'obscurité. Oh, je ne pense pas que nous allons courir dans tous les coins en nous tirant les uns sur les autres. Qui sait? La peur fait faire bien des folies aux gens. Monsieur Pritchard, vous dites que votre belle-sœur a tué un homme et une femme ici et les a dépecés. On a retrouvé les orteils et les mains, mais selon vous, pas les têtes. Voudriez-vous voir l'une de ces têtes? Voulez-vous tous voir une de ces têtes? Alors, venez, suivez-moi. Chérie, je n'ai que faire de ceci. Regardez dans ma valise. Allez voir. Mais enfin, elle était là. Une tête de femme. Nora, je crois que vous êtes énervée. Voudriez-vous un sédatif? Sortez! Sortez tous d'ici! Sortez tous! Sortez d'ici! Laissez-moi tranquille! Sortez d'ici! Sortez! Est-ce raisonnable de la laisser seule, docteur? Elle aurait dû prendre un sédatif. Qu'est-ce que vous supposez qu'elle croit avoir vu? Il se rapproche d'elle. Écoutez, il serait bon que l'un de nous reste là. Mettez auprès d'elle 1 000 000 000 de gens. Si les autres la volent, ils l'auront. Et s'il avait raison? Ah, il ne sait pas ce qu'il dit. Il a trop bu. Je me le demande. Je vous rejoins dans une minute. Vous devriez peut-être la réconforter. Ce serait gentil. Vous croyez qu'il y avait réellement une tête dans sa valise? Moi, je n'en sais rien. Je sais qu'une chose comme ça me bouleverserait. Écoutez, est-ce qu'on vous trouvera par ici? Enfin, je veux dire, si elle a besoin d'aide. Entendu. Je serai dans ma chambre. Vous n'aurez qu'à m'appeler. Merci. Êtes-vous sûr qu'il n'y a que 7 personnes sous ce toit? Absolument.
Excepté les fantômes. Je ne crois pas aux fantômes. Et je n'aime pas qu'on fasse peur. Pour Nora, on est allé assez loin. Peut-être même trop loin. Que nous conseillez-vous de faire, docteur? Cessez de lui faire peur. Ils emmènent Nora. Dans quelques minutes, elle deviendra un fantôme. Où est Nora? Où est-elle? Il est trop tard. Il est trop tard. Vous ne trouverez plus Nora. Pritchard, si vous savez où elle est, je vous somme de le dire. Elle est partie avec les fantômes. Il est trop tard. Ils l'ont emmenée. Défaites cette corde, vite! S'est pendu. Suicidé. Dans cette chambre, je suis partie et personne ne m'a vue. Madame Lorraine est morte. Comment? Lorraine dit que sa femme s'est suicidée. Mais je crois que quelqu'un l'a tuée. Lui? Thank you.
pense que vous en venez aux mêmes conclusions que moi. Je le crois aussi. Tenons une conférence, étudions la situation. Le salon vous va? Entendu. Dans une minute. Il faut que je descende tout de suite. Enfermez-vous à clé et ne laissez personne entrer ici. S'il vous croit morte, il ne reviendra pas. Dès que je pourrai, je vous rejoindrai. Vous n'avez rien à craindre. Et si c'est nécessaire, servez-vous-en. Qui vous a pris d'entrer ici? Je ne voulais pas qu'il l'emmène. Vous êtes ivre. Il faut que vous la veilliez. Vous êtes ivre. Allons avouer tout près de Charles. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis le seul qui comprenne. Qu'est-ce que vous comprenez? Votre femme est déjà partie. Elle est allée rejoindre les fantômes. Écoutez, Pritchard, je commence à l'avoir assez de vos histoires. Sortez, sortez, idiot, et ne revenez plus jamais dans cette chambre. Cette dame, Nora. Je l'ai laissée en paix car elle n'a rien à voir à tout cela. Vous avez raison. Monsieur Lorraine, il n'y a plus moyen de sortir d'ici à présent. Non, c'est trop tard. Mais on pourrait quand même essayer. La seule porte qui donne sur l'extérieur est en acier. Les barreaux des fenêtres sont tous scellés dans les murs. Il faudra rester. Je n'ai pas peur de vos fantômes, Pritchard. Mais j'ai pourtant peur. Il y a quelques heures, en arrivant, nous n'avions qu'une chose en commun, les 10 000 dollars promis à chacun. Mais maintenant, nous en avons une autre. La mort de Madame Lorraine. Jusqu'ici, l'un de nous a failli être tué par la chute d'un lustre. Un autre a été mystérieusement attaqué. Un troisième a été poussé aux limites même de l'hystérie. Et un autre est mort. Était-ce des accidents? Un suicide? Et il faut rester 6 heures de plus ici. 6 heures. 6 d'entre nous. Ça fait le compte. Qui sera le prochain? Comment ça se passera-t-il? Une petite question, cher docteur. Le premier qui a découvert ma femme, c'est vous. Avez-vous découvert quelque chose sur quoi elle aurait pu monter ou d'où elle aurait pu sauter? Non. Ni aucun de vous? Il n'y avait donc rien. Comment alors serait-elle montée jusque-là? En effet, monsieur Lorraine, comment? Elle ne s'est pas hissée seule au plafond, elle n'est pas tombée seule dans le vide. Croyez-vous que votre femme se soit tuée? Non. Elle a été assassinée. Par l'un de vous. Ou par vous, monsieur Lorraine.
Vous devez avoir vos raisons pour tuer délibérément quelqu'un. Aucun de nous ne connaissait votre femme. Il n'y a que vous qui ayez pu avoir une raison de la tuer. Quel mari n'a jamais eu envie un jour de tuer sa femme? Est-il un mari qui n'ait eu des milliers d'occasions d'assassiner son épouse sans risquer de se faire soupçonner? Comment aurais-je fait la sottise de pendre ma femme à une des poutres du plafond? Le fait demeure que vous ou l'un de nous a tué Madame Laurel. Et c'est l'affaire de la police. Mais comment appeler la police? Tout est là et nous ne pouvons rien faire avant le matin. Ce qui avait commencé en expérience stupide tentée par un excentrique dégénère maintenant en meurtre. Pour une fois, Pritchard a peut-être raison. Si un autre crime se prépare, il faut l'empêcher. Un autre crime? Pourquoi pas? Peut-être l'un de nous en a-t-il trop vu. Pourquoi même un milliardaire voudrait-il donner 10 000 dollars à chacun de nous pour passer une nuit dans une maison décrépite, pour voir des fantômes ou y faire la noce? Non. Avez-vous fini de jouer les procureurs? Quel est le verdict? Suis-je coupable ou non? Nous discutons tous dans le vide. Quelqu'un a tué Madame Lorraine, nous le savons. L'un de nous est coupable et les autres innocents, c'est tout. D'après moi, chacun n'a plus qu'à assurer sa propre défense contre son voisin et se protéger. Vous croyez réellement que... Mais je ne crois rien du tout. Si ce n'est que je monte dans ma chambre et que si jamais quelqu'un entre, je tire sur lui. Ou sur elle. Nous n'avons rien à craindre en nous enfermant chez nous. Parce que les innocents n'ont aucune raison de quitter leur chambre. Et que le coupable se trahira en en sortant. Et puis nous sommes armés. Très bien, si vous êtes d'accord. Il me tarde vraiment que cette nuit soit finie. Des chambres et des coltes? Croyez-le, ça ne fait aucune différence. Ils ne nous ont pas encore lâchés. Ça sert de se dire bonne nuit.
C'est moi, Charles. Ça va? Ils sont tous allés s'enfermer dans leur chambre. Charles, j'ai bien réfléchi. Il faisait si noir, ce n'était peut-être pas Monsieur Lorraine. C'était bel et bien lui. Il a essayé de vous tuer comme il a tué sa femme. Mais qu'est-ce qui vous fait croire cela? Sa femme m'avait parlé et demandé de l'aider. Le docteur pense qu'il va tuer l'un de nous. Il y a forcément un moyen de s'enfuir et je veux à tout prix avertir la police avant qu'il agisse. Je vais avec vous. S'il s'aperçoit que vous êtes en vie... Non, Nora. Vous êtes mieux ici que n'importe où. Restez-y, attendez tranquillement. Si je trouve un moyen de sortir, je reviens vous chercher. Thank you.
Est-ce un aveu de culpabilité, docteur? En aucune façon. Il y a quelqu'un d'autre sous ce toit où l'un de nous a quitté sa chambre. N'avez-vous rien entendu? C'est de la musique? Oui. Et des bruits de pas. Vous avez le vôtre? Prêt? Oui, allez, regardez en bas. L'étage, je m'en charge. Restons tous les deux. Ne perdons pas une minute. Il s'agit sans doute d'une vie à sauver. Faites vite, le temps presse. Tu penses? Pas encore, mais ça viendra. Débarrasse-moi de cet attirail. Pourquoi est-elle si longue? Quelle heure peut-il bien être? D'abord, quoi que je fasse, Nora ne voulait pas prendre son revolver. Mais après ton apparition à la fenêtre, tout a marché selon nos prévisions. Tu étais merveilleuse, juste ce qu'il fallait pour la mettre en état complet d'hystérie. Ça va valoir tout le mal qu'on s'est donné. Où est cette Nora? Mais que fait-elle? Elle se rend à la cave. Elle est si effrayée qu'elle tirera sur tout ce qui bougera. Et Frédéric? Il se rend à la cave, lui aussi. David, es-tu sûr que nul ne nous soupçonnera? De quoi? Une hystérique tire sur quelqu'un accidentellement. Comment est-ce qu'on pourrait soupçonner que nous y sommes pour quelque chose? Oui, mais mon suicide. Le clou de cette petite soirée. Nous dirons que c'était un mannequin. Je suis le seul qui t'a touché. Et le régisseur? Eh bien, il n'était réellement au courant de rien. Mais je pense à Nora, elle n'est pas idiote. Chérie, crois-moi, tout ce que nous avons prévu marche à merveille. Nora croit que tu as été tué par Frédéric. Elle croit que c'est lui qui l'a attaqué, pas moi. Et à l'heure actuelle, l'épouvante l'a presque rendue folle. Les têtes, la musique, ton assassinat. Dès qu'elle verra ton mari, elle tirera sur lui. Dieu, que ça dure longtemps. Oh, David, tu ferais bien d'y aller. Quand tu entendras tirer, rejoins-moi à la cave.
David. David. Tu as tout ce que tu voulais. Tu m'as compris. Jusqu'à ma propre vie. Mais tu n'auras pas l'occasion d'en profiter. Viens avec moi, meurtrière. Viens avec moi. Bonne nuit, Annabelle. Le crime que vous aviez conçu était parfait. Seule la victime est en vie et les meurtriers sont châtiés. Quel dommage que vous n'ayez pas su quand vous jouiez à votre petit jeu. Que j'y jouais moi aussi. Il doit y avoir un moyen d'entrer. C'est sûrement quelque part par là. Charles! Oh, j'ai tiré sur Monsieur Lorraine. Il est dans la cave. Il vit encore? Oh, je crains que non. Allons-y. Comment il est? Il est vivant? Vous n'avez tué personne, ma chère Nora. J'avais chargé votre revolver à blanc. Je vais tout vous raconter. Trent et ma femme avaient projeté de me tuer. C'est manqué. Trent a essayé de me pousser dans la cuve. Ma femme y est tombée en trébuchant. Je m'en remets à la justice qu'elle décide si je suis innocent ou coupable. Ils sont neufs.
Ils sont bien plus, beaucoup plus. Ce sera mon tour bientôt. Et ce sera le vôtre aussi.